Minervino di Lecce est situé dans le Salento méridional, à quelques kilomètres au sud de Otranto. Le territoire fait partie de l'union des communes de la côte orientale, avec Ortelle, Castro et Santa Cesarea Terme. Parmi ces terres, on peut admirer de nombreux témoignages mégalithiques, héritage monumental de la présence stable de l'homme attesté déjà à l'époque des métaux. La campagne qui entoure le centre habité est très suggestive et se ramifie en trame d'olivier vers les hameaux de Speccagallone et Cocumola. Les verdoyants étendues, caractérisées par des florissants et un sans arbre monumental, sont la synthèse évidente de l'économie de la ville, étroitement liée à la vocation agricole, notamment à la production de l'huile, du vin et des produits céréaliers. L'architecture de la civilisation rurale s'articule autour des campagnes de Minervino et elle est bien visible dans les suggestives murets de pierre sèche, réalisées au cours des siècles par les fermiers locaux. Il est facile de rencontrer dans cette merveille les paillares, des constructions typiques salentines, édifiées pour conserver les outils agricoles ou comme logement en été. Les merveilles et les curiosités poursuivent également sur la côte orientale, où on peut admirer la tour côtière Minervino, située sur la route provinciale Otranto Santa Cesarea Terme. La tour a été construite au XVIe siècle, au frais de l'ancienne Universitas de Minervino, pendant le royaume de Charles V de Habsbourg. Aujourd'hui destination de nombreux touristes et curieux à la recherche de spectaculaires photos du paysage. Minervino di Lecce, c'est une ville à découvrir, mais aussi à savourer. En effet, la tradition agricole se combine parfaitement avec l'innovation œnologique et culinaire, grâce notamment aux excellentes caves vitivinicoles qui animent les territoires, reconnues et appréciées pour leur qualité par des importants experts italiens et étrangers. La simplicité des lieux et les talents pour l'accueil rendent Minervino un bourg ravissant, embelli par des monuments historiques artistiques importants et par la gentillesse des habitants et le professionnalisme des opérateurs touristiques.